Kate Middleton pourrait refuser un nouveau titre par respect pour la princesse Diana. Kate Middleton pourrait refuser un nouveau titre à l'égard de la princesse Diana, a-t-on rapporté. La duchesse de Cambridge, 39 ans, a automatiquement droit au titre de princesse de Galles lorsque le prince Charles prend le trône de la reine Elizabeth. Le prince William deviendra alors le prince de Galles. Kate pourrait refuser le titre à la princesse Diana, qui est devenue célèbre princesse de Galles en 1981 après avoir épousé le prince Charles. Camilla, duchesse de Cornouailles, détient actuellement le titre mais ne l'utilise pas à l'égard de Diana, dans la même veine que Kate devrait le décliner. Comme le détail Kent Live, ce modèle se poursuivra dans un avenir lointain, le prince William devant devenir connu sous le nom de roi William si et quand il régnera sur la nation. À partir de ce moment-là, il est probable que Kate sera appelée reine Catherine, Catherine étant son nom complet. Étant donné que Kate n'a pas de sang royal elle-même, elle sera une reine consort. Une cérémonie est prévue pour ce moment, même si elle ne sera pas aussi grandiose que le couronnement de William. Quel que soit le rôle officiel de Kate, il est peu probable que cela affecte sa relation et ses devoirs envers le public dans les années à venir. Elle a assidûment représenté les Royals au cours de la dernière décennie depuis son mariage avec William le 29 avril 2011 lors d'une somptueuse cérémonie à l'abbaye de Westminster, qu'environ 300 millions de personnes ont regardé à travers le monde. Dans son rôle, Kate fait des apparitions publiques, fait des tournées dans le monde entier et soutient de bonnes causes. La mère de trois enfants s'est attaquée aux problèmes de santé mentale et de handicap ces dernières années. Et en 2019, elle a travaillé avec la Royal Horticultural Society en tant que co-conceptrice d'une exposition de jardin au Chelsea Flower Show 2019.